Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Francis Duranton, directeur du muséum. Et je suis ravi de vous accueillir juste après ce son qui nous arrive du fond des âges pour cette belle découverte archéologique qui a été effectuée dans les collections du muséum de Toulouse. Et je vais céder tout de suite la parole à Francis Grasse, qui est élu de la ville de Toulouse, maire adjoint, en charge de la culture et vice-président de la commission culture de Toulouse Métropole. Francis, si vous voulez bien rejoindre le pupitre. Merci Francis. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce moment que je trouve très important et très significatif. Pourquoi ? Alors, je suis en charge au niveau de la métropole de la culture scientifique et dont le muséum, qui en est le plus ancien représentant. Parce que, et je le dis pas seulement pour les Toulousains qui nous regardent, parce que je sais que certains d'entre vous sont en ligne, ceux qui sont rentrés ont vu qu'on était dans l'amphithéâtre, ou l'auditorium plutôt, Picot de la Pérouse. Et Picot de la Pérouse, c'est l'initiateur, on pourrait dire, de cette idée d'un muséum d'histoire naturelle. Alors, ce n'était pas le tout premier, parce qu'il avait installé ici les collections en 1996. Si ma mémoire est bonne, c'est 3 ans après la création du muséum à Paris. Donc, on voit qu'il y avait une filiation qui était dans la lignée du Buffon de créer des lieux autour de l'histoire naturelle. Alors, le lieu a été ici ouvert au public en 1865, 70 ans après, pratiquement. Et ça veut dire que cette idée très ancienne était on était dans la lignée des découvertes de la science qui émergeait à l'époque des Lumières, de pouvoir la diffuser au grand public. Et ça, c'est une idée extrêmement importante, forte, de l'époque, il y a fort longtemps, mais qui aujourd'hui, je pense, est plus actuelle que jamais. Parce qu'on le voit, la science, y compris dans cette période de crise sanitaire, on voit à quel point la science peut être controversée, contestée des fois, et je pense qu'il est très important de poursuivre cette mission, de faire partager la connaissance au plus grand nombre, et c'est ça qui est difficile. Et ce que je trouve en plus important, puisque je ne vais rien dévoiler de ce que les collègues ici représentant, bien sûr Francis Duranton pour le muséum, mais aussi Carole Fritz et M. Tozzello, au niveau des chercheurs et de ceux qui ont pu travailler sur cet objet que vous voyez dans la vitrine, c'est de montrer aussi que la connaissance évolue tout le temps. Il y a des choses qu'on croyait savoir depuis longtemps, la preuve, ce coquillage est connu depuis beaucoup d'années, mais par contre, l'idée consistant à découvrir finalement ce qu'a pu être son utilisation en matière musicale, ça montre aussi que la connaissance évolue tout le temps, et c'est pour ça qu'on a ici, au niveau de la métropole, différents lieux de culture scientifique. Le muséum, c'est le plus ancien, et on est voisin d'un des plus récents, le Quai des Savoirs, qui est destiné à tous les domaines scientifiques, alors qu'ici, on est dans l'histoire naturelle, et que dans tous les domaines de la science, il y a des évolutions permanentes et que, y compris les technologies, permettent à la science de progresser de manière considérable. Notre connaissance s'enrichit, ce qui veut dire que dans une vie, ce qu'on a appris en gros à l'école ou à l'université, eh bien, se périme, puisque ça s'enrichit tout le temps, et il faut qu'il y ait des lieux pour enrichir sa connaissance en permanence. Et c'est ça la vocation que la ville de Toulouse et la métropole de Toulouse ont, c'est de permettre à des lieux, mais derrière des lieux, c'est des équipes, évidemment, parce qu'un lieu, c'est rien, si ce n'est ceux qui l'animent, alors qu'ils l'animent vers le grand public, et puis, comme on va le voir aujourd'hui, qui travaillent aussi dans un rôle plus de recherche, et c'est cette combinaison qui est très importante. Alors, je dirais aussi un mot. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes de science, je crois. Et c'est une bonne occasion de le mettre en avant pour deux raisons. Parce que quand nous avons créé le Quai des Savoirs, il y a quelques années maintenant,
Nous avions considéré que sur l'ensemble de nos lieux de culture scientifique et notamment au Quai des Savoirs, il était très important de valoriser la science auprès des femmes, parce qu'on constate que souvent il y a une désaffection, il n'y a pas suffisamment de femmes dans les métiers scientifiques. Alors pour des raisons sociales, sociologiques, historiques, je ne sais pas, mais c'était très important de promouvoir. Et puis deuxièmement, il y a un déficit de valorisation des femmes scientifiques elles-mêmes. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, et certains d'entre vous s'en souviennent, que nous avons décidé, il y a maintenant 2 ans à peu près, je n'ai plus la date exacte en tête, de désigner l'allée qui est entre l'université et le Quai des Savoirs, qui est juste à 100 mètres d'ici, nous l'avons appelée l'allée Mathilda. Évidemment, en référence à ce qu'on appelle l'effet Mathilda, que j'espère beaucoup d'entre vous connaissent. Et si vous ne le connaissez pas, recherchez, vous verrez, c'est important. C'est très important, justement, sur le fait que certaines femmes scientifiques ont pu être un peu gommées de l'histoire, en quelque sorte, alors que c'est elles qui avaient pu porter des grandes découvertes scientifiques, au travers de beaucoup de siècles, d'ailleurs. Donc, voilà, c'est aussi un moment que je voulais rappeler. Mais surtout, je voudrais maintenant... je crois, laisser la parole, alors je ne sais pas dans quel ordre vous intervenez, c'est vous, parce que je pense qu'on est dans un domaine, alors, ce qu'on appelle l'organologie, là, c'est-à-dire l'étude des instruments de musique, c'est une discipline, je dis récente, entre guillemets, par rapport à ce coquillage, puisque c'est plutôt le 17e ou le 18e, on a commencé à étudier les instruments, parce qu'ils étaient en train d'évoluer et de se moderniser, parce que maintenant, dans les instruments modernes, il y a souvent beaucoup de technologies, mais là, on voit qu'on est bien avant tout ça, et je crois que c'est extrêmement intéressant de voir comment, à partir d'un objet, je crois que c'est autour de 18 000 ans, vous m'avez dit, alors que je crois que les premières flûtes ou les instruments, on les situait à 35 000, mais là, on voit qu'on est dans ces périodes-là, mais en tout cas, une découverte que je crois extrêmement intéressante dans l'histoire de ces instruments de musique, sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup de choses, hein, bien entendu, sachant que dans les domaines culturels, ben, je pense que la musique et la danse sont sûrement parmi les pratiques les plus anciennes. Et donc c'est intéressant d'avoir ce moment à la fois culturel, scientifique, et qui met en valeur tout le travail de toutes les équipes qui y ont participé et des différents partenaires que vous allez, je pense, citer ce matin. Voilà. Eh bien, place maintenant à la science. Hein ? Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis, pour ces quelques mots d'introduction. Effectivement, moi, je vais vous parler un petit peu du Muséum de Toulouse, parce qu'il faut remettre tout ça dans une histoire qui est une histoire longue. Effectivement, vous l'avez dit, Francis, le Muséum a ouvert ses portes en 1865. Et la grande force du muséum à cette époque-là, c'est qu'il fut le premier musée à consacrer une galerie à la préhistoire, le premier musée du monde. Ce qui lui a donné une place très très particulière dans l'histoire et dans l'émergence de cette discipline. Et grâce à cette première galerie qui a été conçue au départ à l'initiative d'Édouard Filliol, mais avec l'ensemble des naturalistes toulousains de cette époque-là qui œuvraient autour du domaine de la préhistoire, je pense à Jean-Baptiste Noulet, je pense à Émile Cartaillat qui a rejoint très très vite les équipes, pour qui d'ailleurs la première chaire de préhistoire avait été créée à l'université ici à Toulouse. Le muséum a joué un rôle extrêmement important dans l'émergence de cette discipline, notamment aussi en coordonnant un ouvrage fondamental du 19e qui était Les matériaux pour l'histoire de l'homme, qui avait été initié au départ par Gabriel de Mortillet, mais qui a été repris ici au muséum à Toulouse. Et donc, grâce à cette position un petit peu centrale de toute l'émergence de cette science préhistorique, eh bien, de très très nombreuses collections sont venues au fil des ans enrichir le fonds préhistorique du Muséum de Toulouse. Et il y a dans les collections aujourd'hui des dizaines de milliers d'objets préhistoriques. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'ils proviennent non seulement de la région de Toulouse, bien évidemment, mais je dirais du monde entier. On a des objets qui arrivent d'Afrique, on a des objets asiatiques, on a des objets du monde entier, des objets préhistoriques, qui montrent en même temps l'émergence des différentes cultures humaines à travers le monde. Et parmi ces objets, nous conservons aujourd'hui, il faut le savoir, à peu près 2,5 millions d'objets dans les collections du Muséum de Toulouse, plusieurs centaines de milliers d'objets de préhistoire, qui numériquement est une des plus grosses
collection, un des plus gros fonds du muséum. Et parmi ces objets figurent notamment des objets issus de fouilles des années 30 dans la grotte de Marsoulas. Et il y a quelques années, Carole, ici, enfin quelques années, ça fait maintenant quelques lunes, dirons-le, quelques lustres même, on pourrait dire, il y a quelques lustres, Carole a entrepris avec Gilles une nouvelle étude de la grotte de Marsoulas. Il faut savoir qu'effectivement, lorsqu'on a un site qui est découvert, il est étudié, il est fouillé, et puis des années après, bien les problématiques évoluent, les techniques évoluent, les champs évoluent, les questionnements évoluent, et c'est dans ce cadre-là que Carole a entrepris l'étude de la grotte de Marsoulas dans toutes ses composantes. Je laisserai Carole parler un petit peu plus du site tout à l'heure, mais ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois qu'on reprend l'étude d'un site, eh bien on va revisiter les découvertes antérieures. Et c'est en revisitant les découvertes antérieures qu'on a pu aboutir au résultat que nous allons vous présenter aujourd'hui. C'est important de comprendre ça parce que ça montre en même temps le rôle fondamental que jouent les musées dans la conservation du patrimoine. Si on n'avait pas conservé ce patrimoine-là, s'il avait été étudié puis jeté à l'époque, on n'aurait pas pu aujourd'hui développer tous les travaux qui ont été développés. Et ces travaux, on a pu les développer également grâce au progrès des techniques. Ce que nous faisons aujourd'hui n'aurait pas pu être réalisé par nos prédécesseurs qui ont étudié le fossile dans les années 30. Ou en tout cas, s'ils l'avaient fait à l'époque, le coquillage ne serait plus là. Puisque grâce au travail et aux technologies modernes d'imagerie qui ont été mises en œuvre dans le travail qu'a coordonné Carole, eh bien, on a pu accéder à l'intérieur du coquillage, alors qu'autrefois, il aurait fallu le casser ou le scier pour pouvoir faire exactement les mêmes observations. On voit donc que l'on a à la fois un continuum, je dirais, de l'activité scientifique qui se développe à travers les âges, et que finalement, le progrès de la connaissance scientifique, c'est une sorte de course de relais entre les générations, et les muséums sont un petit peu le bâton témoin que l'on va se passer d'un chercheur à l'autre, pour pouvoir faire comme ça évoluer et développer la connaissance. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Carole Fritz, et je suis ravi, Carole, d'abord parce qu'on se connaît depuis fort longtemps, et que c'est toujours un plaisir de travailler avec les collègues. Je suis ravi en plus que ça arrive aujourd'hui, ce qui est le jour très particulier, comme vous le soulignez, Francis, de cette journée internationale de la femme et des filles en sciences. Je crois qu'on ne pouvait pas espérer mieux pour présenter cette découverte autour de la grotte de Marsoulas. Carole, je t'en prie, peut-être que tu pourrais nous repréciser un petit peu le site, son intérêt, et puis après développer tout le travail qui a été mené avec tous les collègues ici présents que je salue. Si ça ne vous dérange pas, je vais ôter mon masque pour parler. Je remettrai après. Oui, merci Francis. Pour cette introduction, merci à la municipalité de Toulouse, merci au muséum de nous recevoir aujourd'hui. Il est sûr que pour moi, pour Gilles, pour les préhistoriens, le muséum d'histoire naturelle, c'est un monument dans l'histoire de la préhistoire, qui a accueilli les grands chercheurs et qui renferme bon nombre de collections. Merci aussi au personnel de ce muséum avec des compétences fabuleuses. Et merci pour tout, c'est un peu notre deuxième maison en fait. Voilà. La grotte de Marsoulas, elle se situe à peu près à 80 km de Toulouse au sud, en allant vers les Pyrénées. On n'est pas très loin, on est à côté de la ville de Salis-du-Salat, donc on est voisins si je puis dire. C'est une grotte intéressante et importante puisque effectivement ça marche pas. Mais non, mais ils vont prendre la main en fait. Voilà. Voici l'entrée actuelle. Donc c'est une petite grotte. Hein. C'est la première grotte ornée découverte dans les Pyrénées. Donc c'est 1898. C'est-à-dire même avant la reconnaissance de l'art pariétal, puisque cette reconnaissance elle se fait en 1902. Donc la grotte de Marsoulas participe à la discussion scientifique qui va vers cette reconnaissance. Donc une petite grotte. La suivante, s'il vous plaît. Elle fait à peu près 50 mètres de long, un petit couloir. Alors, elle est assez atypique par rapport aux autres grottes ornées pyrénéennes, puisque dans les Pyrénées, on a plutôt des grands volumes. Là, c'est un petit volume qui ressemble beaucoup à ce qu'on a en Dordogne. Donc, vous voyez, c'est pas très impressionnant comme cavité. Suivante.
Et dès sa découverte, on a des fouilles, bien sûr, hein, qui vont être faites, 1081-82, donc c'est Dominique Caudurban. Je mets toujours un focus sur Dominique Caudurban, parce que Dominique Caudurban, il est très important, c'est lui qui va nous faire la première stratigraphie des fouilles. C'est-à-dire que pour l'époque, il va situer les objets dans l'espace, vertical, bien sûr, du plus récent au plus ancien, il va dire où il les a trouvés, dans la grotte et dans les niveaux, et comment les objets étaient associés entre eux. Et ça, c'est très important, puisqu'on travaille sur une grotte ancienne, fouillée anciennement, souvent, ces données nous manquent, et ce sont ces données également qui nous ont permis de faire le lien stratigraphique entre la conque et l'intérieur de la grotte, entre autres, et qui a permis cette datation à moins 18 000 ans. Vous voyez aussi que sur ce... Pardon, là, voilà, il y a un os décoré avec un très très beau bison au centre de l'image. Vous avez aussi des fragments de pigments, pigments qui ont permis de réaliser hein, les dessins aussi dans la grotte, et quelques éléments de parure. La suivante. Voici, hein, en haut, vous avez des fouilles, hein, 1930-1931, ce sont les fouilles du comte Bégoin, autre personne mémorable du muséum et de la préhistoire toulousaine. Le comte Bégoin qui va faire des fouilles en association avec Thomson Russell. Thomson Russell est conservateur au Smithsonian à Washington. Et avant le commencement des fouilles, on a retrouvé la lettre, j'ai retrouvé la lettre chez la famille Bégoin. Le comte Bégoin fait un arrangement écrit avec Thomson Russell pour lui dire tous les objets intéressants, on va dire de valeur, ne quittent pas le territoire français et seront déposés au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Heureusement, parce que sinon le coquillage serait parti à Washington, et on sait que au Smithsonian il y a des pièces de Marsoulas, notamment du silex et des os. Voilà. Donc vous avez en haut le niveau à peu près où a été trouvé le niveau archéologique, c'est la flèche rouge et la descente, et je vous ai mis sur l'entrée actuelle le niveau, le même niveau. Donc vous voyez, on est bien face à l'entrée, et en fait c'était à cette époque-là, pour entrer dans la grotte, fallait passer ce cône qui bouchait cette entrée. Et pour dire toute la vérité, le dégagement des fouilles de 1930-31 de Bégoin-Russell a eu des conséquences climatiques sur la cavité et qui sont dommageables à la conservation des peintures aujourd'hui. Suivante. Voici la coupe hein, faite par le comte Bégoin et Thomson Russell, où on a localisé le coquillage, donc on sait parfaitement d'où il vient, associé avec des petits outils en cristal de roche. Ça, ce sont des outils très particuliers, puisque le cristal de roche n'est pas forcément utilisé de manière très commune, mais très intéressant pour nous, puisque nous avons les mêmes outils en cristal de roche associés à d'autres petits éléments phares qui sont des petites pointes de chasse en bois de renne qu'on appelle des sagaies de Lussac-Angle. Et tout ça nous permet justement de faire le lien archéologique entre tous ces objets. Suivante. La conque, ben la voilà, vous l'avez à côté de nous. Hein. Je vous ferai aussi remarquer le très beau soclage hein, fait pour la présentation de cet objet. Cette conque, elle fait 31 cm de long, entre 18 et 19, on va dire une vingtaine de large. C'est un très gros spécimen de Caronia lampas, exceptionnel hein, par ses dimensions, exceptionnel aussi par l'épaisseur de la coquille, puisque par endroit on peut atteindre moins 0,8 mm, c'est très très important. En fait, ce coquillage il vient de l'Atlantique, et à moins 18 000 dans l'Atlantique, on est plutôt dans une mer froide, et donc toutes ces caractéristiques, épaisseur, robustesse, c'est un signe de mer froide. Quand on a découvert ce coquillage, on l'a regardé vraiment, on va dire, sous toutes ses coutures, et on a fait un traitement d'image. Après avoir fait quelques photos, c'est les images que vous avez avec un relevé en bas, et sont apparus des points rouges dans l'ouverture de ce coquillage, des points rouges importants, puisque là aussi on fait le lien entre l'objet et la grotte, puisque dans la grotte de Marsoulas on a des signes, des alignements de points, et surtout un grand bison ponctué, fait avec des points rouges au doigt, avec plus de 320 points rouges. Donc vous voyez qu'en plus de la donnée archéologique stratigraphique, on a la donnée symbolique, puisqu'on retrouve les mêmes décors sur la conque que dans la grotte. Suivante.
Cette conque, le coquillage, alors pourquoi on l'appelle conque? Parce qu'on a des interventions humaines dessus, notamment une très importante, puisque c'est ce qui permet de souffler dedans, c'est la rupture de l'apex, c'est-à-dire la partie pointue du coquillage, je vais essayer de faire ici, qui a été cassée à ce niveau-là, et on le voit sur les images, on a des traces d'impact. Il faut savoir que l'apex ne peut pas se casser de manière hasardeuse, parce que ça roule ou parce que ça tombe par terre. C'est la partie la plus robuste du coquillage. C'est par là que commence la formation de la coquille, et il faut une volonté réelle pour le casser, c'est ce qui a été fait. Suivante. À l'intérieur de la coquille, on l'avait observé grâce à une petite observation microscopique, mais on a pu aller faire un CT scan, un scanner au CNES, une tomographie en fait en français, au CNES, donc, qui nous a donné l'intérieur de la coquille et une définition 3D extrêmement fine, et on a pu d'autant plus analyser ce qui se passait à l'intérieur, et à l'intérieur de cette coquille on a deux autres perforations, la première sur la première spire du haut, la première sur la première spire du haut et la seconde bien circulaire. Donc on émet aujourd'hui l'hypothèse qu'il y a un embout, un tube qui a été inséré à l'intérieur pour certainement, et Michel Cour qui est là pourra vous le dire puisque c'est lui qui a soufflé dedans, pour améliorer le positionnement des lèvres au moment où on joue, je ne sais pas si on peut dire ça, on joue cet objet, voilà. Donc ici on le voit très bien, et surtout en microscopie avec une analyse avec des petites lumières, on voit bien qu'il y a des traces de dérapage d'outils au moment de la fabrication de cette perforation. Suivante. Voici des conques, une conque on va dire moderne, avec un aménagement de l'embout. Alors c'est connu, il y en a beaucoup, un exemple comme un autre. Évidemment, on est en plein paléolithique, à moins 18 000 ans, donc on a des possibilités avec les os d'oiseaux, peut-être avec du bois végétal, mais le bois végétal ne laissant aucune trace archéologique, on ne pourra pas le savoir. Donc on va aujourd'hui essayer de travailler justement dans ces perspectives sur comment on pouvait aménager l'embout, comment travailler sur la circulation de l'air à l'intérieur du coquillage. Ça, ce sont nos collègues Pascal Gaillard, Julien Tardieu qui vont travailler là-dessus. Donc, en fait, cette découverte ouvre des perspectives énormes, des perspectives intéressantes, puisqu'on n'aurait certainement pas pu faire ce type d'études à la manière où on veut la faire aujourd'hui, il y a 15 ans. Ce qui ouvre, ce sont l'utilisation de la 3D, la modélisation du son. On va essayer aussi de travailler sur le rapport entre le son et l'image dans la grotte de Marsoulas, puisque on a des figures peintes. Alors, est-ce qu'il y avait des pratiques symboliques face à ces dessins? Est-ce que le dessin répond au son? Donc tout ça, ce sont des travaux qu'on va mettre en chantier dès aujourd'hui. Suivante. Voici quelques images de cette grotte de Marsoulas. Là, c'est une modélisation 3D avec un relevé fait par Gilles Tozello. On voit le bison ponctué, les grands dessins rouges polychromes de bisons, chevaux, ces grands cygnes qu'on appelle barbelés. Suivante. Donc voilà le relevé des points tels qu'on peut les voir aujourd'hui, c'est-à-dire il en reste très peu. Il reste trace rouge également sur le contour de la coquille, certainement dû à l'appréhension de cette dernière. Suivante. Voici encore les signes à l'intérieur de la grotte, fait avec ses points. Donc vous voyez que c'est un symbole fort pour les Magdaléniens de cette grotte. Suivante. Et bien sûr, quelques hypothèses que nous allons faire sur l'utilisation, la fonction de cet objet. Bien sûr, c'est le symbole de la mer qui vient à l'intérieur des terres, qui rentre dans la grotte. Donc on va pouvoir émettre des hypothèses. Les archéologues de ces périodes, on est des grands frustrés parce qu'on n'aura jamais la réponse exacte. Mais au moins, on va essayer de laisser un champ libre à notre imagination, à un tel point que la science n'est pas forcément très stricte excusez-moi, je vois quelqu'un qui rigole au premier rang et il sait très bien ce que je vais dire.
dire la suivante, s'il vous plaît. On peut aussi avoir de l'humour. Et au moment de la première approche du coquillage, et quand on a commencé à souffler dedans, il y a quelqu'un qui a dit « c'est un apo à mammouth ». Donc le apo à mammouth a été illustré par Gilles Tosello et souffle dedans la personne qui a émis cette hypothèse, qui est Pascal Gaillard. Donc vous voyez qu'on peut aussi s'amuser en faisant de la science. Et c'est ça que je voulais souligner, c'est que c'est une équipe pluri- et interdisciplinaire qui a réellement travaillé en tant que telle. On a tous travaillé ensemble tout le temps et on s'est aussi amusé. Et c'était un moment fabuleux dans la recherche. Merci. Alors bien sûr, je laisse les différents collègues qui sont intervenus, s'ils le souhaitent, amener des précisions. Peut-être Gilles, Pascal, qui souhaite amener quelques précisions. Pascal, allez, Pascal Gaillard. On va commencer par Pascal. Pascal, vous avez le micro. Si tu veux bien venir au pupitre, s'il te plaît, pour qu'on puisse te voir, parce que les caméras, malheureusement, sont orientées vers la scène. Merci Carole. Voilà, c'est... Il faut que j'ai l'air sérieux après. Pour préciser effectivement le sur cet instrument est de la famille. Maintenant, on le mettrait dans les cuivres, même bien qu'il soit pas en cuivre, bien entendu, et ça ressemble beaucoup en termes de mécanique à un corps. Un tube cylindrique avec une embouchure. Sauf que le tube cylindrique, on n'a pas besoin de le fabriquer puisqu'il existe déjà. Avec un aménagement pour l'embouchure, ça fait partie des questions fondamentales qu'on se pose, parce qu'il y a plusieurs aménagements dans le monde possibles, qu'on peut observer, ici on a évidemment tout ce qui a pu être ajouté, végétal par exemple, a disparu, cela va sans dire, et on peut émettre un certain nombre d'hypothèses qu'on va faire avec Jean-Michel ici présent bientôt, parce que du coup ça nous donne envie de continuer assez rapidement. Pour pouvoir avoir des renseignements et des idées exactes sur le fonctionnement de cet instrument et sur, en particulier sur le rôle de ce petit trou, ces deux petits trous là qu'on voit et qui nous interroge beaucoup quand même, parce que on va essayer de voir si ces trous là ont une influence sur la qualité du son produit par la conque quand on la joue. Si c'est le cas, c'est-à-dire si ces deux petits trous ont une influence positive, ça qu'on va essayer d'évaluer, positive sur la qualité du son, à ce moment-là, ça viendra confirmer le fait que la rupture de l'apex n'est pas accidentelle, qu'on l'a fait vraiment exprès, mais que plus que ça, probablement à la suite d'essais erreurs, on a pu améliorer le son en faisant ces trous-là, et on n'y est pas arrivé du premier coup. Donc on peut presque parler de facture instrumentale. De facture, en tout cas, de facture intelligente d'un objet complexe, parce que l'objet reste complexe à analyser, même d'un point de vue acoustique, même maintenant, même si on sait le faire, certes, mais enfin, ça reste complexe à faire. Et donc là, on est dans quelque chose de très évolué, très élaboré. C'est peut-être pas un Stradivarius, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement évolué et plus complexe que ce qui peut se passer sur une flûte, dans une petite flûte, effectivement, on raccourcit, on rallonge le tube, ce qui est relativement simple. Là, on a quelque chose de quand même très particulier, parce que ce trou-là, il ne se voit pas de l'extérieur. C'est vraiment quelque chose qui a été fait. Si ça a de l'influence sur le son, à ce moment-là, effectivement, on va pouvoir parler de facture instrumentale intelligente. Et ça, c'est quand même assez intéressant à mettre en avant. Voilà. Merci Pascal. Michel, peut-être. Michel, vous qui avez... Donc il y a soufflé dans la conque, ce serait peut-être intéressant que tu nous rejoignes et que justement de ton expérience de joueur de conque, ou en tout cas de trompe d'une certaine manière, que tu expliques un petit peu toute la difficulté que ça peut représenter de souffler dans un tel instrument. Oui, alors effectivement l'instrument est un peu complexe. J'ai donc découvert la conque dans le laboratoire de Pascal qui a fait les enregistrements. Et en fait, il se trouve que, bon, moi je suis corniste, et en fait il y a un rapport assez étroit entre la conque et le corps, puisque corniste ça vient de la corne, et donc les premiers corps c'était en corne, et ça ressemble au point de vue de la taille au moins et de la forme à la conque. Le problème avec la conque, c'est que, en fait, bon, si je compare un instrument moderne, un corps moderne, si on le déplie, le corps moderne, ça fait plus de 5 mètres de long. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a une pression de l'air qui est très forte et qui permet surtout d'avoir un grand nombre d'harmoniques.
parce que le son fondamental est extrêmement grave et normalement on ne peut même pas le produire. Puisque là, le corps de l'instrument, il est très court. Donc on n'a pas beaucoup de pression à l'intérieur et je ne sais pas trop comment j'ai pu sortir des sons de cette affaire, mais enfin c'est arrivé, puisqu'on les a enregistrés. Mais en fait, on a très peu de pression, ce qui veut dire qu'on a un nombre limité de possibilités dans les harmoniques. Et surtout, il faut un souffle terrible pour arriver à tenir les sons, parce qu'en fait, l'air s'en va tout de suite. Vous voyez, il n'y a pas de... en fait, c'est simplement un entonnoir, quoi, grosso modo. Voilà. Donc, j'attends avec impatience les nouvelles conques et les modifications qu'on va faire pour pouvoir tester ça et voir si ça change quelque chose au point de vue de la pression acoustique et donc si ça permet, par exemple, d'obtenir plus de son ou pas. Voilà, on va avoir une vraie expérience en direct. Merci. Merci beaucoup. Peut-être Gilles, quelques mots supplémentaires ? Moi, en fait... Je pense que tout à peu près tous les thèmes ont été abordés et j'ai remarqué au cours des journées précédentes qui ont été assez intenses sur le plan médiatique et donc on a été soumis à un feu roulant de questions et les questions en fait elles tournent beaucoup autour du son, c'est-à-dire c'est là qu'est à la fois l'intérêt, le mystère, l'émotion. C'est le fait, alors je remercierai jamais assez Jean-Michel d'avoir joué ces quelques notes avec beaucoup d'efforts, comme il vient de le dire, mais on se rendait sans doute pas compte finalement de ce potentiel à la fois émotionnel et puis en même temps c'est très curieux parce que moi il faut remercier Guillaume Fleury d'avoir eu le premier l'idée de souffler dans ce gros coquillage parce que j'avoue qu'en tant qu'archéologue spécialiste de la préhistoire européenne, donc d'une période froide, glaciaire, etc., peuplée de mammouths, jamais j'aurais pensé qu'on pouvait avoir ce type d'instrument, parce que pour moi, ce type d'instrument, en raison de la diffusion de ces conques à l'époque actuelle ou à l'époque historique, pour moi, il est associé à des climats tropicaux, des climats chauds comme la Polynésie, la Calédonie, etc. Et donc, il est connu depuis 90 ans, et donc, comme on avait repris l'étude de la grotte, comme l'a dit Francis Duranton, il est évident qu'on connaissait ce coquillage, mais plusieurs spécialistes l'ont déjà vu. Et il a toujours été considéré simplement comme une curiosité que des hommes préhistoriques avaient ramassée sur une plage, il y a fort longtemps, ramené dans une grotte et puis abandonné. Mais personne n'avait, jusqu'à présent, perçu toute cette dimension complexe, sonore, c'est ça aussi. On a tellement peu l'occasion d'entendre des sons de la préhistoire. Heureusement pour nous, on a pas mal d'images que nous ont laissées ces préhistoriques. Mais le son, la musique, tout ce qui se rapproche de ce domaine est totalement... inaccessible la plupart du temps. Donc moi j'attends avec impatience maintenant qu'on, comme l'a dit Jean-Michel, qu'on puisse progresser dans la reconstitution d'une réplique, qu'on puisse peut-être aller la faire sonner dans la grotte, parce que là aussi il y a cette dimension, le lien entre, comme a dit Carole, on a on a l'image avec l'art sur les parois, mais là du coup on a du son. Et il est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas un rapport entre les deux quand même. La grotte de Marsoula, c'est une petite grotte qui a surtout été fréquentée parce qu'elle est couverte de peintures et de gravures jusqu'au fond. Donc c'était la raison fondamentale pour laquelle les hommes et les femmes venaient à cet endroit. Et donc, il est logique qu'on se pose la question d'étudier pour une fois ce lien extrêmement mystérieux entre les deux. Merci Gilles, merci. Peut-être donc, est-ce qu'il y a des questions parmi vous ? Est-ce que vous souhaitez poser quelques questions ? Voilà. Je propose d'aller au micro si vous souhaitez poser une question pour qu'on puisse enregistrer, que nos personnes qui nous suivent à distance puissent avoir le son. Des questions ? D'accord.
Et en tout cas, je vais rebondir sur ce qu'a dit, Gilles. Ce qui est extraordinaire à travers l'étude qui a été menée là, c'est que finalement, on découvre également à travers le son de cette conque un nouveau morceau de l'univers sonore dans lequel évoluaient nos ancêtres préhistoriques. Et ce qui est fantastique, c'est que le son, par essence, c'est quelque chose de très immatériel. C'est quelque chose qui ne reste pas. Et grâce au travail qui a été mené aujourd'hui, on peut accéder à un univers sonore qui nous est quasi totalement inconnu. On a les sons des flûtes, on peut imaginer bien évidemment le rôle des percussions, on connaît des lithophones dans les cavités fréquentées par nos ancêtres préhistoriques. Et là, on a un nouvel instrument, d'une certaine manière, un nouveau morceau de la gamme sonore dans laquelle évoluaient nos ancêtres préhistoriques, et c'est ça qui fait de cet objet quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est à la fois un témoignage matériel de ces cultures par les aménagements qui ont été faits dessus, et il nous donne accès, par cet objet matériel, on a accès à un univers immatériel, un univers sonore immatériel, qui derrière ouvre, comme le disait Carole, de grands champs de réflexion sur comment, dans quel contexte, quel rôle pouvait jouer la musique pour ces cultures, puisqu'on sait qu'effectivement, la musique, le son en tout cas, le premier instrument sonore avant tout, c'est notre voix, c'est le premier instrument sonore. Mais du coup, on voit qu'on a un univers sonore beaucoup plus varié que ce que l'on pouvait imaginer jusqu'à présent. Et donc, c'est, je dirais, un nouveau petit pas, voilà, pour mieux appréhender encore les cultures et les univers dans lesquels pouvaient évoluer nos ancêtres de la Haute-Garonne il y a de ça 18 000 ans. Oui ? Rien, parce que j'y étais pas. Non, je suis désolée de vous répondre comme ça. On va là, c'est de l'hypothèse totale. Si vous me dites, c'est quoi l'art paléolithique, je vais vous parler de mythes et on n'aura jamais de certitude. Par contre, on est face à un objet emblématique. Je vous l'ai dit, on peut le dire, c'est l'Atlantique qui vient à l'intérieur des terres. Donc soit les Magdaléniens de Marsoulas sont allés sur la côte cantabrique eux-mêmes, soit se sont allés arriver là grâce à des échanges entre groupes. En tous les cas, ce lien entre l'Atlantique et l'intérieur des terres, on le connaît déjà par certains dessins qu'on a dans la grotte. Le fait aussi que ces humains-là portaient des parures en coquillages et des coquillages venant de l'Atlantique, encore une fois. Je vous rappelle aussi que sur la grotte du Mas d'Asile, en plein milieu de l'Ariège, on a une dent de cachalot sculptée. L'homme des terres voyait la mer, ou en tous les cas était en relation avec l'homme de la mer. D'une manière ou d'une autre, on a aussi des pointes, des armatures de chasse publiées récemment aussi, en os de baleine et de cachalot. Donc vous voyez, c'est un contexte global. Dans ce contexte global, on a du mal à ne pas imaginer évidemment des rituels avec ce coquillage, avec le son qu'il produit, le fait qu'il soit également peint. Il se passait forcément quelque chose. Alors, les conques, dans l'anthropologie actuelle, des sociétés subactuelles, on sait que c'était fait pour appeler. Alors, on appelle les personnes, on appelle les ancêtres. Et ça, c'est des appels qui sont préalables à certaines cérémonies. Donc oui, moi je pense que c'était quelque chose comme ça. Si vous voulez, le hapo à mammouth, c'était une boutade, si je puis dire, mais pas si boutade que ça. Puisque quand vous entendez ce son lourd, grave, oui, ça peut faire peut-être penser à des sons produits par certains grands mammifères qui étaient encore présents à cette époque-là, etc. Je peux vous dire plein de choses, imaginer plein de choses. Hélas, je n'aurai jamais la réponse. Après,
Les conques, en fait, c'est un instrument extrêmement, on va dire, commun. Dans la Polynésie, vous en avez en Amérique centrale, chez les Mayas, vous en avez à peu près au Tibet. Il y en a, quand on commence à chercher, on en trouve à peu près partout sur la planète. Et au Tibet aussi, il faut bien que quelqu'un les amène. Hein. Donc vous voyez qu'à partir du moment où ça rentre dans une culture, visiblement, ça fait boule de neige, si je puis me permettre. Et c'est utilisé, et souvent utilisé, dans les sortes de cérémonies. Chez les Mayas, c'est le cas, hein, ça a été publié par nos collègues de Stanford. Voilà, c'est connu, en fait. Sauf que nous, on n'a jamais imaginé ça, puisqu'on n'en avait pas la trace. Alors, il faut savoir que sur certains sites de la côte cantabrique, il reste des petits fragments de ces Caronia lampas qui ont été signalés. Et généralement, ils ont été signalés présents parce que pour consommer l'animal qui était à l'intérieur. Alors maintenant, je me demande, est-ce que c'était réellement pour consommer cet animal et pas justement des restes d'instruments, puisque je doute que cet objet soit réellement unique dans toute la culture magdalénienne. On n'en a pas de trace parce que quelque part, on ne les a pas forcément cherchés. Peut-être que ça va donner d'autres idées à d'autres archéologues maintenant. Moi, si je peux ajouter une chose, ce qui nous manque terriblement, c'est le contexte immédiat autour de ce coquillage, parce que c'est déjà un miracle qu'il soit arrivé, comme l'a rappelé Francis, parce que ça fait presque un siècle qu'il est sorti de terre. Donc vous avez vu sur les photos qu'on a passées, les techniques de fouille étaient assez expéditives, hein, c'était plutôt du terrassement qu'autre chose. Donc c'est un miracle que l'objet soit sorti à peu près entier, et on a quelques éléments de contexte. On dit qu'il était à proximité d'éclats de cristaux de roche, de cristal de roche taillé, etc. Bon, tout ça n'est pas très consistant. Ce qu'on voit sur la coupe publiée, la situation du coquillage, c'est qu'il se situe assez haut, hein, en altitude, dans la partie fouillée, et donc on peut penser qu'il est assez tardif dans l'histoire de la grotte, que peut-être même il aurait été abandonné proche de ce qu'était l'entrée de la grotte à l'époque, peut-être par les derniers occupants. Bien sûr, c'est une simple hypothèse, mais c'est pour dire que si on avait pu... Bon, on est déjà très heureux d'avoir l'objet lui-même, mais en archéologie, souvent, ce qui permet d'aller plus loin, c'est le lien avec d'autres objets qui l'entourent. Est-ce qu'il était, par exemple, dans un endroit un peu aménagé? Est-ce que c'était vide? Est-ce qu'il y avait des rochers autour? Enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut comme scénario, mais hélas, ça n'a pas été noté. Donc tout ça nous empêchera, évidemment, de formuler des hypothèses beaucoup plus précises. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, vous noterez effectivement, Gilles, souligner le côté un petit peu physique, percutant, disons, des fouilles de l'époque, le côté beaucoup moins fin du travail qui a été mené dans les années 30. Et vous noterez d'ailleurs sur la conque que sur la partie aperture, sur la base de la conque, il y a un petit trou carré. Ce trou carré, en fait, c'est un trou de pioche. Hein, lorsqu'il a été fouillé, la pioche était passée à travers le coquillage. Et par chance, comme effectivement il s'agit d'une coquille qui est particulièrement épaisse, due aux conditions climatiques d'ailleurs, eh bien, ça n'a pas fait casser complètement ce coquillage, sans quoi je crois qu'aujourd'hui on ne serait pas réunis pour célébrer cette découverte et écouter ensemble ces sons venus du fond des âges. Voilà. S'il n'y a plus de questions ? Juste rajouter quelque chose là-dessus, c'est que la tomographie qu'on a fait au CNES, et je remercie le CNES de nous avoir accueillis à Toulouse, parce que c'est extrêmement rare qu'ils ouvrent les portes pour ce genre de manip, a permis un regard conservatoire sur l'objet aussi, puisque on ne savait pas, on n'avait pas encore poussé l'étude à fond, savoir s'il était micro-fissuré ou pas. Ce qui aurait considérablement changé les choses, hein, parce qu'on n'aurait pas pu faire toute l'analyse sonore qui a été faite par la suite.
Mais il est en très bon état et merci quoi. Voilà, merci au CNES. Voilà. Puis je voulais aussi avoir une pensée amicale pour notre collègue Emmanuel Casarero, ouais, qui est le président du musée du Quai Branly, qui a une double culture, qui est à la fois une culture kanak et une culture européenne, et qui a immédiatement, lorsqu'il a vu, lorsque Gilles, je crois, lui a transmis les images, lui a dit mais ça c'est une conque, c'est pour faire de la musique. Donc il a confirmé tout de suite l'hypothèse qui avait été émise que cet objet était effectivement un instrument de musique. Et donc, il a joué un rôle extrêmement important. Et d'ailleurs, il nous permet aussi d'accéder aux riches collections du musée ethnologique, hein, donc contemporaine d'une certaine manière, du Quai Branly, mais qui donne également des éléments qui permettent de mieux comprendre aussi comment fonctionne une conque, comment les sons sont produits et autres, et comment on peut également aménager l'ouverture, l'apex, la pointe de ce coquillage pour pouvoir faciliter la production de sons. J'en profite aussi pour remercier Philippe Walter, qui n'est pas là aujourd'hui, puisque parisien également, qui lui est le directeur du laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale. C'est lui qui a fait les analyses des pigments dans la grotte depuis 1998, sans prélèvement, et sur la conque également, ce qui permet de nous faire encore des liens entre les parois et le coquillage, et qui a permis aussi de pénétrer le CNES. Voilà, s'il n'y a plus de questions, mais écoutez, nous allons arrêter ici. Je vous remercie de votre présence pour la présentation de cet objet tout à fait unique. Merci beaucoup.